Coucou. Ça commence bien. Ah purée. Ah purée. Tu sais, j'étais en train de penser à un truc. Il y a un... Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle Charisma on Command. C'est une chaîne YouTube où le mec explique en fait comment les gens font pour être charismatiques. Mais en fait, j'ai envie de lui dire, mec, t'essaies de former des gens à la spontanéité. C'est débile. Parce qu'en fait, qui... J'ai juste une question à poser. Quel type de personne, vraiment, quel type de personne, en général, tend à feinter ses comportements afin d'être mieux accepté par un groupe? Je réfléchissais bien. Quel type de personne? Des psychopathes. Le mec apprend aux gens à être des psychopathes. C'est vrai, imaginez, je suis là et vous êtes en train de raconter une blague et je suis en train d'anticiper et de dire « Ok, ton rire doit être à 30, 35 degrés sud, 45 degrés ouest. Tu vas rire pendant 3 secondes 5 parce que sinon 3 secondes 6, la personne va se douter qu'il y a un problème. » Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est pas de t'apprendre comment réagir. Enfin, si. Attends, qu'est-ce que je raconte? L'idée, c'est important d'apprendre comment réagir à certaines situations. Mais si tu ne les fais plus de façon spontanée, quel est le but, en fait? Parce que tu ne montres pas ta vraie identité. On t'apprend à... Le mec, typiquement, t'apprend à être quelqu'un d'autre. Allô? La question est juste, comment vas-tu faire en sorte d'être à l'aise dans une situation sociale? Ouais, c'est ça, social. Comment vas-tu faire en sorte d'être à l'aise avec ta personnalité à toi? Pas de commencer à te dire, alors, vous devez ouvrir les épaules, bomber le torse dans ces moments-là. C'est quoi cette société? Ils pensent que tout ça prenne comme si on était... Je te jure. Elon Musk dit qu'on est des cyborgs, mais quand même pas à ce stade-là, dis-moi. Sérieusement. Ils sont cons. Et après, encore une fois, quand je dis... Ok. Quand je dis... Quoi, il faut que je m'excuse? Tu penses? Je sais pas. J'y réfléchis. Quand ils disent... Je disais quoi déjà? Ah oui. Quand je dis après que les gens sont cons, ils vont encore une fois se vexer. Mais c'est vrai, factuellement, vous êtes cons. Certains, hein, bien sûr, je dis pas tout le monde. Heureusement. Attends, là, tu veux que je me mette la planète entière sur le dos? Vous êtes tous cons! 6,999 milliards de personnes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des personnes qui adoptent des comportements cons. Et quand je dis vous êtes, c'est pas vraiment vous êtes. Là, c'est un raccourci et je devrais pas le faire. Vous agissez comme des cons. Parce que les gens peuvent changer de comportement. Mais c'est agir connement. Vouloir pomper le... Alors ça dépend de l'idée. Si c'est vouloir pomper le charisme de quelqu'un... Par contre, si c'est vouloir faire en sorte de t'adapter à une situation dans laquelle tu es mal à l'aise, ce n'est pas la même chose. Mais quand le mec... Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie les stars, les comportements des stars, et ensuite, il les décortique pour t'apprendre comment les reproduire. Mais tu es débile. Pourquoi tu veux créer des troubles de la personnalité ou... Alors, attends. Imagine que moi, je suis stressé, et puis tu m'as dit... Alors, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bomber le torse, à nouveau. Tu vas regarder la personne droit dans les yeux, même si je stresse, hein. Droit dans les yeux, et tu vas rire. Tu vas sourire. Je suis assez spontané là comme ça pour toi. Je te jure, non mais c'est pathétique. C'est pathétique. Juste, essayez d'être bien. Moi je pense que la danse, c'est la solution. Je pense que la danse, c'est la solution à la plupart des problèmes. Et les gens ne veulent pas le comprendre. La danse, frère. La danse. La danse et le sport. Pour être bien en société, il faut être bien avec ton corps. On peut dire ce qu'on veut là-dessus. Si tu es un gros patapouf, et que tu n'es pas à l'aise avec l'idée d'être en gros patapouf, ça va se sentir. Il y a des gens qui sont à l'aise avec l'idée d'être fat, hein, je crois. Même si c'est moche, et je m'en
Condrofish, si on me dit que c'est un jugement, parce que c'en est un, c'est vrai. Mais je trouve qu'être fat, c'est pas beau. Il faut que je définisse fat. Il y a un indice de masse corporelle pour chaque type de personne. Attends, je regarde le temps. Ok. Il y a un indice de masse corporelle pour chaque personne. Je dis, quand je dis fat, je dis pas les personnes plus grosses que moi, c'est pas ça. Gros, c'est compliqué à définir parce qu'en fait, techniquement, dans ma tête, gros, c'est à partir du moment où ton état de santé en pâtit. Tu vois, c'est ça gros pour moi. Donc, on peut pas vraiment l'évaluer physiquement. Chaque personne a son physique. Mais il y a un stade où on sait que le risque de diabète augmente, ton risque de maladie cardiovasculaire augmente. C'est ça gros. Et on peut pas vraiment le définir. Mais j'appelle ça gros quand même. Il y a les femmes rondes que je trouve très mignonnes. Mais voilà. Il y a des gens qui sont gros. Ils sont gras. Mais c'est même pas gros, ils sont gras. J'émets une exception pour les sumos. Si leur travail est d'être gros. Même si c'est probablement pas bon pour la santé. C'est pas la même chose. Les sumos sont des athlètes et ce sont des sportifs. Ils sont gros. Mais ils pratiquent une activité quand même. Donc, eux, on va dire qu'il y a un joker. Mais les autres, ils sont gros, c'est tout. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais j'aime pas, c'est tout. J'aime pas. J'ai le droit de dire j'aime pas quand même. Je dis j'aime pas voir les gens se suicider. J'aime pas voir les gens fumer. J'aime pas voir les gens voir. Voir. J'aime pas voir les gens boire. J'aime pas voir les gens gros. C'est tout. J'aime pas voir les gens hyper mecs non plus. Hein. Même chose. Hein. Je parle plus des gros parce que là, c'est le problème de notre société, là, l'obésité, avec les fat food. Mais il y a aussi le problème des personnes qui ne se nourrissent plus. Et ça aussi, c'est assez critique, il faut le dire, il faut le préciser. Hein. Ça va dans les deux sens. De toute façon, c'est simple. Les gens gros, selon la définition dont j'ai parlé, donc difficile à définir, et tu vois, hein, la personne est grasse, elle a du mal à marcher. À partir du moment où les gens ont du mal à marcher, ça devient critique. Voilà. Là, tu peux dire catégoriquement, ils sont gros. Quand ils ont du mal à marcher, ils sont gros. Point. Donc, les gens gros, les gens très maigres, les gens. Quoi, je suis très maigre moi. Eh, c'est mon métabolisme, regarde tout ce que je bouffe, et j'ai encore une casserole qui m'attend. Que je vais manger maintenant. Donc, gros, maigre, les gens qui fument, les gens qui boivent, et les gens qui vapotent, j'inclus, je sais pas, j'ai pas regardé les tests, mais pour l'instant, je considère que c'est dangereux. Qui boivent de l'alcool, les gens qui, bien sûr, et je parle pas des gens qui boivent une fois tous les... t'as compris, quand je dis boivent, c'est qu'ils boivent. Les gens qui se droguent, ben voilà, hein. Tu veux que je fasse quoi, que je les fréquente et que je fasse une bar mitzvah avec eux? Non, pas envie. J'aime pas la connerie, c'est tout. Tout le monde sait que ça tue. Pourquoi les gens sont aussi faux culs? Parce qu'ils sont dedans? Parce qu'eux aussi ils fument? Mais si vous fumez, la cigarette tue. Elle tue pas tout de suite, elle tue dans 30 ans, 40 ans, 20 ans. Elle tue. On le sait tous, on est tous au courant. Donc les gens qui fument se suicident, point. C'est aussi simple que ça. Je m'en contrefiche de ce qu'on dira, c'est du suicide. C'est pas parce que c'est lent que c'est aussi acceptable. On n'accepte pas quand les gens se suicident, ça nous fait mal au cœur. Mais on accepte que les gens se suicident parce qu'ils le font lentement. Et on va me dire, David, oui, mais tu comprends pas la pression de la vie. Mais si la vie vous met une telle pression au point de fumer, ce n'est pas en fumant que vous allez résoudre le problème. C'est en réduisant la pression que la vie vous met dessus, vous impose. Arrêtez de penser comme des cons, vous allez me faire croire que je suis un génie. C'est aussi logique que ça. S'il y a autant de gens qui fument, c'est que notre société a un problème. Si c'est dû au stress, il y a un problème. Et je me fiche que les super high-techy billionnaires que j'admire vous diront, j'admire ces gars-là. Sérieusement, c'est eux que je suis. Jack Ma, Patrick B. David, Elon Musk, Ray Dalio, ce sont ces gens-là que je suis. Mais si on arrive à un stade où il y a tant de gens qui considèrent que pour survivre, il faut fumer, il y a déjà un problème.
Les gens qui sont dans l'alcool, même chose, s'il y a trop d'alcooliques, trop de drogués, il y a un problème dans notre société. Notre corps nous dit, les gars, on va trop loin. Et qu'est-ce qui est plus important que notre santé? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, dis-moi. Toi, t'en penses quoi? Donc c'est tout. C'est un indicateur. Si tu n'arrives pas à vivre sans fumer, sans boire, sans manger n'importe comment, parce que tu te sens stressé, c'est que l'environnement dans lequel tu te trouves, dedans, il y a un problème. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est un indicateur. C'est pas normal de fumer. C'est pas normal de boire. C'est pas normal d'être gros. À part dans un désert, et encore. C'est vrai, être gros, le seul endroit techniquement où c'est utile, et encore, c'est dans un désert. Parce que dans un désert, tu as besoin d'un surplus. Tu vois, et là, moi, je ferai pas long feu. Hein. Dans un désert, je tiens 2 jours, même pas, je pense. 2 secondes. Et voilà. Et, rappelle-toi que les déserts, c'est aussi de l'autre côté, du côté des igloos. Hein. C'est des déserts aussi. Voilà, frère. Les gens n'y réfléchissent pas. Pourquoi? Parce que si on commence à réfléchir, il faudra tout recommencer. Faudra questionner tellement de choses. Autant continuer, le train est déjà lancé de toute façon vers le mur. Autant foncer dedans, hein. On va pas l'arrêter maintenant. Je te jure. C'est du n'importe quoi. Il serait temps qu'on définisse en tant que société, pardon, il serait temps qu'en tant que société, nous définissions quels sont nos objectifs communs de manière évidente pour tout le monde. Quel est notre but? Transparence. Notre but, c'est de faire en sorte de maintenir l'Europe dans un certain état d'esprit. De faire en sorte que l'Europe soit à telle position mondiale. De faire en sorte qu'au sein de la population, la plupart des gens, la quasi-totalité des gens, vivent tel style de vie. Définissons ce qu'on cherche. Définissons quel est notre objectif commun. Parce que si on ne le fait pas, on va arriver à des objectifs. Mais qui ne sont pas les nôtres. Fumer, quoi. Fumer. On sait que c'est cancérigène. C'est comme le chlordécone en Martinique. Les gars savent que ça tue le sol. Ils le foutent quand même alors que c'est interdit aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Et ça fait 10 ans qu'on a le problème maintenant. Et il y a plein de gens qui meurent de cancer. Ma meilleure amie a perdu 4 membres de sa famille en une année de cancer. L'humain est con. Parfois, il y a plein d'humains qui sont cons. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Arrêtons d'être des moutons. La base, c'est ta santé. La base, c'est ta santé. La base, c'est la planète. Si la santé, la planète, ça tient pas, on tient pas. Dans la hiérarchie, déjà, c'est au top. Si les gens ne comprennent pas ça, eh ben, qu'ils aillent se faire soigner. Aussi simple que ça. Mais non, faut toujours te complexifier encore. Comme si c'était pas simple.